Ok, salutations à tout le monde et à tous. Bonne fête de Saint-Valentin à tous et à tous. Aujourd'hui, je suis un peu triste parce que j'ai reçu la visite d'un ami. J'ai reçu la visite d'un ami qui est passé m'expliquer un problème et tout ça. Bon, vraiment, ça m'a beaucoup touché. Donc, je demande conseil à mes fans, à mes amis, à tous ceux qui m'apprécient et même ceux qui ne m'apprécient pas. Bon, tout à l'heure, mon ami est passé me voir à la maison. Il a des problèmes pour faire des enfants. Donc, il n'a pas de frères, et puis moi et lui, il y a longtemps, nous sommes ensemble, on a fait l'enfance et tout ça ensemble. Donc, il a discuté avec sa femme. Il souhaiterait que moi je sorte avec sa femme pour qu'il puisse avoir des enfants. Donc vraiment, ça me chagrine beaucoup. Vraiment, j'ai beaucoup mal. Et je ne sais pas quelle décision prendre parce que ce dernier, vraiment, il me tient beaucoup à cœur. Donc je viens auprès de vous. Je vais lire vos conseils, je vais lire tous vos dits. Et en fonction de ça, je vais analyser et savoir quelle décision prendre. Mon ami, il est beaucoup triste, ça fait beaucoup d'années, il s'est marié avec sa femme. Et ça fait 12 ans qu'ils sont ensemble, ils n'arrivent pas à enfanter. Ils sont partis à l'hôpital et tout ça. Donc, les docteurs ont trouvé que c'est lui qui est malade. Il est malade, il ne peut pas enfanter. Donc, comme je vous le disais, il a discuté avec sa femme. Il a parlé de moi, il n'a pas de frère et tout ça. Il est le fils unique. Donc, il souhaiterait que sa femme, moi, je sois avec sa femme pour qu'il ait des enfants. Donc, je mets ça au devant du monde entier, au devant de tous mes fans, de mes frères et sœurs. C'est les 900 Igéi, le porte-parole des 900 Igéi. Mais là, c'est une affaire qui est beaucoup sérieuse. Donc, je vous écoute. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Fouettez. C'est les autres champions, papa, dans le dos. On est ensemble.